Après le derby entre le Celtic et les Boisfortoises, il est difficile de savoir qui a remporté ce match ô combien important pour le maintien. Si Boisfort a assuré sa place dans l'élite avec cette victoire, la défaite et la descente du Celtic en D2 n'ont pas plombé le moral des Ixelloises. Malgré un bilan de 13 revers en 13 rencontres, tout est loin d'être acheté, car cette saison, le club promu a grandi. Le plus encourageant, c'est qu'on a vu notre propre jeu évoluer, nos joueuses évoluer. Il y a eu un progrès énorme. Et c'est à cause du fait qu'on doit jouer chaque semaine contre ces équipes de Division 1. Donc, ils nous emportent en qualité, mais c'est difficile. Le résultat, c'est difficile. Face à Boisfort, les joueuses du Celtic n'ont pas eu beaucoup le temps d'y croire. Menées 0-10, notamment après cet essai précoce de Sarah Verzine, les filles de Graham Edwards sont allées chercher leurs 5 points grâce aux jambes de Julie Moreno, qui marque, comme à l'aller, un très bel essai. Ce sera le seul. Car après la demi-heure de jeu, les Ixelloises ont manqué de jus. Au contraire de Niklos, qui tient sur ses jambes pour marquer un essai plombant au meilleur moment, juste avant la mi-temps. En deuxième période, comme souvent, le Celtic va craquer à plusieurs reprises et s'incliner sur un score lourd, 5-47. On a quelques joueuses, bien sûr, qui ont plusieurs années de rugby, mais pas beaucoup. Mais on commence à en avoir. La saison prochaine, on va avoir plusieurs filles qui montent du U16 et du U14. Et ça va nous aider encore énormément. Les Beaufortoises ont des raisons de se réjouir après une année compliquée en raison d'un groupe largement renouvelé. Elles ont su être sérieuses et solidaires pour ne pas sombrer. Il ne fallait pas se mettre dans le doute sur le dernier match, de dire oh, peut-être qu'elles vont surprendre encore une autre équipe. Donc non, clairement, c'était le match à gagner et c'était l'objectif. On a préparé pendant 2 semaines ce match. Il reste d'ailleurs aux Beaufortoises un match face à Dendermonde, une équipe avec laquelle elles se sont longtemps disputées le titre par le passé et elles espèrent bien les embêter.